des doigts agiles volent sur les touches, des cordes résonnent et le son de Bach, Mozart, Beethoven et Chopin s'élance de la scène. Après une longue journée de dures compétitions, les performances des 15 finalistes se sont succédées. La cérémonie de remise des prix était impatiemment attendue. Le troisième prix a été remis à Wei Wan Ma et Wei Chen, qui ont reçu chacun 1 000 $. Le deuxième prix et la récompense de 3 000 $ ont été attribués à Na Lian. Elle a participé à de nombreuses compétitions et a étudié dans des écoles de musique en Chine, en Russie et aux États-Unis. Na Lian est actuellement étudiante à New York dans l'école des arts Fei Tian, une école focalisée sur les formes d'art classique chinois. Le premier prix de la compétition a été attribué à Steven Lin, 19 ans, un étudiant de la prestigieuse école Juilliard à New York. Il a reçu une récompense de 10 000 $ et décroché un contrat négocié avec le label classique Pro Piano Records. Oui, je pense que beaucoup de célèbres musiciens ont de la passion pour la musique et je pense que c'est un des aspects les plus importants de la musique classique. Ils sont venus de différents milieux et ont différents buts en tant que musiciens. Pourtant, sur les points clés, tous les gagnants étaient dans le même état d'esprit. Je les respecte énormément, c'est la raison pour laquelle je choisirais de ne pas jouer un morceau si je n'étais pas prête. Mais si je les apprécie beaucoup, j'essaierai d'étudier autant que je pourrai et bien jouer. Oh, I love Mozart. J'aime beaucoup Mozart, c'est un de mes compositeurs préférés. C'est un grand défi pour moi de jouer ce morceau parce qu'il faut exprimer des détails subtils entre chaque note. C'est pour cela que je l'adore. Et c'est bien cela, leur amour pour la musique et leur passion pour le piano qui a amené ces participants sur la scène aujourd'hui. NTD, New York.